La licence Pro Développeur Mobile est une formation accessible en bac plus 2, donc accessible pour des étudiants qui ont obtenu un BTS, un DUT, notamment DUT Informatique ou DUT MMI ou Réseau et Télécom. C'est une formation donc sur, sur un an qui se déroule dans les locaux de, de l'UT de La Rochelle. L'objectif est de former des étudiants pour être développeurs mobiles. Alors développeur mobile à la fois sur Android, sur euh, iOS et puis également développeur mobile pour des applications euh, dites euh, hybrides. C'est-à-dire que l'on va pouvoir développer une seule fois pour qu'elle soit applicable à la fois sur, euh, sur Android et sur, euh, et sur iOS. Cette formation elle est ouverte aux, euh, aux étudiants qui souhaitent réaliser une formation dite classique ou en alternance. Les étudiants euh, classiques vont réaliser euh, les, euh, les, la formation avec euh, les enseignements. Euh, euh, en l'IUT et puis euh, vont réaliser un stage de 14 à 16 semaines en fin de formation pour obtenir leur diplôme et puis les étudiants en alternance eh bien eux euh, vont avoir un contrat de travail avec une entreprise et euh, toutes les deux semaines eh bien ils vont aller euh, travailler pendant deux semaines euh, dans une entreprise euh, sur une mission euh, qui sera confiée par, euh, par l'entreprise. Alors dans cette formation on ne s'intéresse pas euh, qu'au développement mobile, on va aussi apporter euh, un ensemble de compétences autour de, notamment du numérique responsable, de l'anglais, des, des enseignements autour de la gestion de, de projets, notamment avec l'agilité et, et les méthodes Scrum. Au niveau des enseignements, donc on a plus de 40% de nos enseignements qui sont réalisés par, par des professionnels, ce qui montre bien notre intégration avec, avec le monde socio-économique environnant. Euh, et puis euh, les étudiants, bah, au cours de cette formation, vont pouvoir euh, se spécialiser dans deux parcours. Donc un parcours plutôt euh, développeur euh, mobile full stack, et puis un parcours euh, développeur mobile et IoT, donc IoT pour euh, objets connectés. Donc pour les full stack, eh bien, ils vont s'intéresser plus précisément au domaine du développement d'applications mobiles, en partant de la conception jusqu'à la mise en production, euh, en passant par, euh, par le DevOps et la partie back-office avec des enseignements autour de, de Symfony et puis de la mise en place d'API. Et puis pour les développeurs mobiles et IoT, l'idée là c'est de s'intéresser au développement Android avancé, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à développer des applications mobiles qui vont aller utiliser différents capteurs du téléphone ou des capteurs externes. Et on va s'intéresser également aux tests d'applications et à toute la partie réseau mobilité. Sachez qu'au niveau des débouchés, donc 100% de nos étudiants, d'après les statistiques, sont en emploi après 30 mois. Pour nous rejoindre, il suffit de candidater sur eCandidat.